Chers amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans le programme éducatif, je voulais vous parler d'un sujet très important. C'est coach, je voulais vous parler d'un fikrché. Est-ce que c'est possible? En faisant un travail qui va toucher les abdos tawri, est-ce que nous avons un fikrché ou là? L'ijaba est là. Je ne peux pas nous dire que c'est sensible le travail, un travail sur les abdos tawri, mais nous avons un fikrché obligatoirement. Qui ne peut pas nous dire que ça dépend de la génétique qui fait. Est-ce que nous avons un fikrché ou est-ce que nous avons un fikrché supérieur ou inférieur ou la fille ou check, ça dépend. Ou alors, donc déjà on peut pas cibler la perte. La deuxième des choses qui te contredit les abdos tiens, alors que tu fais chizam le bâton dialek, les abdos dialek, les anneaux, les abdos tiens, qu'on a mis qu'il y a le jild, on va dire chahma, on va dire les abdos, on va dire les viscères dialek, l'ada, on va dire qu'il y a la graisse, les dit bien les viscères, ce qu'on appelle la graisse viscérale, ou qu'il y a le chahma, les dit tahte le jild dialna, ou on a qu'il y a le chadmo à dalat le bâton, on a chadmo la. Du coup, on doit renforcer cette ceinture abdominale. Mais, tu peux faire le travail, mais tu peux faire le travail. Et donc, tu peux dire, coach, à quoi sert donc une activité et on va renforcer la ceinture abdominale. Ou on va faire le travail. Non, renforcer la ceinture abdominale, c'est une qualité de vie, une qualité de pratique. Qui veut dire, tu as un qui dit, tu as un travail, tu as un travail, tu as un travail. Tu la ceinture abdominale, il y a ça. هاد لي زابدو هما صح في توت لاكتيفيتي فيزيك اللي راح ديرها انت لو كان تكون لا سينتور ديالك يعني فابل ضعيفه